Vendredi 22 septembre 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous TAC Info News. Nous comptons avec vous pour nous capable présenter essentielles informations dans le pays d'Haïti. Et dans le reste du monde, nous comptons avec vous pour nous capable informer. Rapidement, nous regardons qui ça qui gagne dans le titre. Semblait qu'on situation tension là. Entre directeur RPTGO, qui c'est Jean-Tel Joseph, et ministre environnement, James Cadet. N'a bien pour nous donner réaction, Jean-Tel Joseph. Dans le journal ça, dirigeant centre calé avec là, lui-même n'est pas li pas prend au sérieux menace dominicain, donc li vraiment quoi si dominicain qu'aime mise ça c'est lui même cap sorti victime. D'après pour nous parler concernant match cap fait dans Wadamet dimanche cap vin là, match solidarité cap sorti dans zone Carrefour aéroport pour arriver dans zone canal et a gagné un dispositif cap prend pour capable ramasser l'argent pour canal. Canada a sanctionné trois autres monde dans secteur privé affaires haïtiens, monde qui t'a impliqué dans mauvaises affaires. Rete avec nous, Tite Sayo, à Capilote, préfet, et ça, c'est journal la Pomater. Oui, j'en ai dit l'antitio. Donc, on est grand pile mouvement qu'a fait là, dans le niveau, au Wadamet. En pile monde a porté support. En pile artiste a défilé tout. Il y a des paille. Il y a un leader politique tout qui rend yo dans le niveau côté canal là, a fait. En pile monde a metté main. En pile initiative a fait là tout. Dans diverses villes pour capable porter mes fautes avec monde qui travaille dans le canal là. Toujours par rapport à question canal là, il y a une information qui t'a fait là une, mais qui pas officielle. Eh bien, il y a Jean-Tel Joseph qui officialisé li. Jean-Tel Joseph, c'est responsable, agence nationale, air protégé, même qu'il a pour protéger, on sait, l'espace dans le pays. D'après Jean-Tel Joseph, qui était rendu dans Wadamet pour regarder comment travaille l'an yé, il fait qu'on est un ministre de l'environnement, James Cadet, qui était passé l'autre, même écrit le même, pour le capable de rentrer à Jean Bessapio. Or, nous connaît, depuis le travail a commencé Wadamet, c'est agent Bessapio qui campé là, qui dans la ganache, cap défendre paysan yo, yo même campé en face soldat dominicain yo. Mais nous apprenons, d'après ça, Jean-Tel Joseph fait qu'on est, ministre James Cadet et ben l'ordre pour lui capable faire rentrer dans base. Il dit non, il n'y a pas le droit de dire ça et le rappeler. Agence nationale air protégé, c'est une direction qui est autonome. Il fait qu'on est à Jean Bessapio à côté là pour capable protéger zone d'un en côté Jean-Tel Joseph. En tant que directeur général de l'Agence nationale des airs protégés, il est à la Bessap en dedans pour présent jeudi dans Wadamet pour venir accompagner, renforcer agent Bessap qui accompagne nous dans sécuriser canal là. M'a dit nous, ministre environnement, exprime officiellement pour le modem pour retirer agent pour canal là. Monsieur James Cadet, lui t'a dit présence agent Maillot représenter une menace pour la sécurité nationale. Eh bien, moi dis, monsieur, il n'y a pas de droit ça. À la direction générale autonome, ils sont ministres. Nous pas prenons l'ordre. Canada a continué. Et ça a continué présent. Position monsieur Ali, différent des positions gouvernement. Gouvernement dit clairement que le travail a continué. Nous tendez l'univers ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, mettre ensemble pour encadrer la population pour que le projet avance. N'attend ça, je ne vous dis. La dit, Bessap, de l'ordre. Directeur Daniel, comme directeur départemental Bessap, l'idée de l'ordre pour maintenir agent sur site là. Si des problèmes renfort, n'a pas voyé renfort. Parce que la question pour nous autres en tant que nationalistes, la question de la souveraineté nationale n'est pas négociable. La souveraineté nationale n'est pas négociable. Répétez avec moi. La souveraineté nationale n'est pas négociable. La défense du territoire haïtien
est un devoir citoyen. Répétez avec moi. La révolte est un devoir haïtien. Et puis, gagner réaction toujours, dans cette concernée, travail qu'a fait, voilà, maintenant. Gagner Pierre Jean Gardi Maisonneuve, qui a dirigé Centre Cal l'évêque, qui réagit par rapport à ce qui a passé dans, voilà, maintenant, également, décision qui prend là, par autorité dominicaine, pour capable de faire main frontière, yo. Pierre Gardi Maisonneuve expliquait, eh ben, si Dominique prend décision ça, c'est au même cap gagné pour subir, puisque, situation a plus difficile pour yo. Et les faits qu'on est, il y a bien pour y rendre compte à Kaïsien de ça ou faire. En côté, Jean Gardi Maisonneuve. Fermer frontière puis bon pour nous que pour eux. Fermer frontière pour eux puis mal. Donc je pense que c'est un mauvais calcul qu'ils ont fait de fermer frontière. Et il y a payé là, c'est tête yo chou. Et c'est y a un proverbe qui dit partout le client est roi. L'homme gain cob blanc mais m'a pas acheté ou capable vendre moi mal acheté de l'autre côté. Yep. Mais l'organ pour vendre c'est moun ou apten. Ou à dégager ou à qu'on acquiert soit vendre. Ce n'est pas nous qui pi pour la qu'on achète dans le monde. Donc, fermer frontière, il n'y a pas qu'on ferme, il y a des démontés, bloc dans toute frontière yo, pour nous, pour qu'il y ait ça plus mal. En Haïti, là où il y a deux groupes qui travaillent, ou censés travailler pour l'État n'a pas ramassé le travail qu'on a fait. Parce que l'État n'a pas des gens intelligents qui pour comprendre que leur bail information pour ramasser, pour analyser, pour avoir l'eau pour venir demander une explication. Sainte-Calais-Lévêque sorti en pile rapport sous frontière. Un rapport, premier rapport que nous sorti, nous dit nous ouais trop cap fait pour manger pour exam. Yo te pensé que depuis au fait mes frontières, il s'est pral mourir grand goût, tandis que là Jérémy, là au Kaï, là la Tibonie, tout côté manger pourri, c'est rentrer le bac à rentrer. C'est rentrer le bac à rentrer. C'est mauvais calcul. République Dominicaine, ou pour qu'on fait mes frontières, faut ta monter bloc, faut ta faire l'autre bagaille pour t'aller à l'aise. L'autre pression yo bail, c'est penser que yo ca font massacre sur moun yo. Pression, y a faut payer net. N'importe gouvernement étranger qui t'a encouragé à Abinadel faire, l'a servi à Abinadel pour demander à Abinadel ça le pas gagné. Après, on pourra juger le même genre avec Saddam Hussein. Parce que M. Fonzac, son population, pas gagné Zam Namel qui a pris une prise dans l'eau qu'elle gagne. On bail une blague. Sous pas que les populations prennent la prise de l'eau, sauf qu'on t'a fait mettre l'eau à la caou, l'elle gagne pour le déborder, t'as quitté l'envahie ou seulement. Mais la gagne inondation, l'envahie nous boit ici, l'envahie ou boit le bébé, puis qu'on y a ce sel pour jouer. Donc, ils ne sont pas intelligents. Haïtien, Haïti, faut la République Dominicaine, sous toute zone, n'a pas fait l'hôpital pour t'aider Haïtien à vivre plus longtemps, pour gagner un bon client qui vient acheter dans le même chaque jour. Traiter Haïtien au bien tant que des princes pour toujours gagner en vie, vin la kaou. Mais je vais traiter là, faut que nous jouons, faut nous révolter pour dire, n'a pas pris de l'eau par nous pour nous faire jardin, nous pour ne pas traverser la kaou encore. Moi-même, ça ne t'a demandé. Notamment des populations dominicaines, la population haïtienne font seul. Parce que ces deux gouvernements, tchoul, restent avec qui gagnent. Abinader, son tchoul, sont restés avec. Ils gagnent comme. Mais ils sont au monde qui pas un cerveau. C'est ça que fait le mettre population dans sa lia là. Kounia sa pense fait, manger haïtien de qu'on achete yo, kounia ou la cherche yo dans mes paysans yo. Avec qui, non, yo gen kop pour acheter. Mais combien de temps au café a pas acheté? Et l'autre bagaille. Pas gen rentre sorti ya qui pour permettre que moun yo dégage yo. Dominicain reme ou haïtien qui vient travailler pour lui devant porte la kaili, il bagaille ça encore. Kounia haïtien a dégage le pour le grand moun la kaili. Donc nous battons bravo pour mon Wanamet. Mais mouvement ça passe à Wanamet, c'est tout pays qui mettait ensemble. C'est tout pays qui pote collé. Mon dame qui se dit Jérémy, qui atterrit l'autre bois. Dominique n'a pas mangé un pile produit que vous voyez dans nous. Par exemple, chou, carotte, parce que pas nous au bio, et puis pas nous faire avec un pile produit chimique. Vous venez prendre ça, nous faire dans la zone forêt de pain, fond verrette et l'autre bagaille. Yo fait deux bagages, yo vole le bœuf ici à la République Dominicaine, yo vole le bœuf en République Dominicaine, yo pote ici. Là yo pas qu'à faire ça, yo vini à Zam, yo bay paysan pour paysan bay yo chou. L'autre bagage moi t'ai dit dans l'autre rapport que la République Dominicaine mettait des agents haïtiens ramasser municipe pour t'aller négocier avec eux pour déstabiliser pays là pour qu'a gain contrôle commerce, ça veut dire pour pas rien en pile monde. Un jour, je fais un rapport pour me dire qui n'ont calé. Parce que je connais un pile de politiciens qui allaient rencontrer des gens en République Dominicaine. Je connais des leaders religieux qui partent tout calé. Je connais un leader calé qui a offert 20 millions de dollars plus l'autre corps pour faire l'église pour lui pour le déstabiliser. Et ça, c'était le gouvernement Jovenel. Nous faisons l'autre rapport encore.
nous dit dans toute ligne frontalière yo gen zam k'ap distribuer k'ap bay l'autre yo yo jwenn zam yo sous la main nous même dans zone et la plaine du cul de sac yo jwenn zam nan la frontière là et yo pas jamais dit rien mais moi le ta rele mio ta arrêté mio ta mande m'kote m'jwenn information ou même ta bay jusqu'à ce que yo kembe dernièrement yo colonel dominicain dans trafic ça est-ce qu'on t'en dit le parler en pile yo pas parler nous dit nous tout la tes jeunes garçons l'homme qui a bataille ou n'est pas belle pression la proposer ou sa république dominicaine a fait la pression la baye parce qu'elle connaît pas qu'à faire massacre sous moun yo la frontière la cap fait canal cap pon prise bloa et pas détourné a détourné bloa moi même cap parler je parle en connaissance de cause parce que j'ai passé près de 2 ans, 3 ans en République dominicaine d'étudier là. D'ailleurs, j'ai étudié philosophie. De là, Los Rios Las Colinas. Et là, j'ai étudié philosophie avec les Redemptoristes Mater. C'est quand même là, j'ai donc, pour être dominicain. Puisque dominicain, quand analyse la fait mal, réponse toujours, ça la baille comme réponse toujours mal. Mal abordé. Qui problème nous abordé? C'est nous, Haïtien manger. Comment Haïtien manger? Haïtien vient acheter manger l'amour. Il a décidé d'acheter l'amour aujourd'hui. Il n'a pas acheter l'amour là, l'acheter l'amour de l'autre côté. Gagne l'autre support qui prête à joindre mon Wana Météo toujours. Par exemple, gagne un parti politique, cohorte patriotique, qui est coré, ce qu'a fait là dans Wana Météo. Gagne un secrétaire général parti ça, qui c'est Francisco Acide, qui croit, faut que tout le monde porte la main forte pour capable permettre travail ça réaliser. Un côté secrétaire général parti politique, qui c'est cohorte patriotique, Francisco Acide. Cohorte patriotique appuyé à toute force li, initiative paysan Wana Météo, pour fouiller un premier canal dans rivière Massacre qui se propriété dominicain ak haïtien. Pour autre là encourager tout haïtien k'ap vive tout côté sur la terre. Côté collé. Faire solidarité directe ak paysan Wana Météo, j'en nous capable pour nous réaliser gros rêve ça dans tête ensemble. Cohorte patriotique a demandé ministre travaux publics en place là. Mobiliser matériel l'État dans CNEO. Matériel l'État dans ministère travaux publics. Ingénieurs et techniciens qui dans ministère. Faire un convoi pour aller renforcer les efforts héroïques. Paysan Wana Météo. Puis j'aime dire l'antitio, gon match qu'a fait là, match a fait dimanche qu'a vu là, dans Wana Météo, en façon pour capable porter solidarité à Kamounio. Pendant match ça, a gagné, yon, en sorte de collecte de fonds qu'a fait pour, capable ramasser l'argent pour construire canal là. Match a démarré dans Kafo Aéroport, dans ville Cap-Haïtien pour finir dans zone canal là. En côté, président Chambre Commerce Noir, qui c'est Steve Mathieu, qui a bail plus de détails. Nous pensons que c'est gouvernement haïtien qui peut discuter avec nous-mêmes. Ça qui fait dans notre destin, c'est que paysans ont montré que nous sommes à l'avant-garde de nécessité pour gagner une politique agricole, pour gagner une politique économique qui claire du côté de l'État haïtien. Faut gagner un papier, faut gagner une réflexion, faut gagner une démarche de mise en œuvre opérationnelle pour garder qui ça dans ça, ressources que nous gagnons, et ressources matérielles, et ressources immatérielles, et ressources humaines. Parce que je dis, à, c'est après 3 ans que planteur eux-mêmes ont décidé de dire t'es allé dans une solution qui a aidé à sauver la production. Donc, il y a nécessité pour que l'accompagnement, l'État qui a juridiction ça, pour l'État accompagner, c'est devoir l'État pour le faire ça. Il y a assez de ressources quand même pour l'adresser ce problème-là. Nous-mêmes, nous travaillons dans le domaine pour nous informer tout l'accompagnement technique qui a aidé le mouvement ça, que l'accompagnement technique là, fait. Nous avons commencé Kafou Aéroport au Cap. Nous avons bien 12 à 15 stations. Finalement, là, c'est canal. Et non, des canal rivière Massacre. Et dans chaque station, n'a bien animation, a bien tout si monde, grand monde, tout ça sorti. La messe, ou grand chrétien, nous tous ensemble, n'a pas on a une chaîne de solidarité. La veille, n'a pas son jacoute pour nous mettre ça nous guérir, pour nous porter basse à ce nous qui en bas. Pour nous dire que nous là, nous pas plagué. N'a continué à parler, n'a continué à garder, n'a continué à prendre des conseils techniques. Espère nous pour que ensemble nous fassions ouvrage que nous travaillons là même pour nous dire
tirer ou pas, n'a pas mettre l'ensemble. Chaque 2000 votés, porter parole, porter courage, porter sur nous, n'a pas le visiter. Chaque station, nous n'a géré, chaque groupe a géré station la caillou. Moun qui dans zone aéroport, a campé dans station aéroport là. Moun qui dans zone limonade, a campé limonade. Guerrier rouge, même bagaille là. Jonction au trou, a fait même bagaille là. Jusqu'à ce que nous arrivions. Ministre canadien d'affaires étrangères Mélanie Joly l'a annoncé jeudi ça. Canada a imposé sanctions en plus par rapport à règlement sous mesures économiques spéciales qui visait Haïti en réponse à exact corruption important qui alimentait crise sécuritaire, politique et humanitaire qui gagne dans pays. Selon un communiqué, chancellerie canadienne, nouvelle sanction ça a visé trois membres élite économique haïtienne, homme d'affaires Marc-Antoine Accra, Cal Braron de la Unibank et Jean-Marie Vob. Mounsayo interdit pour yo capable d'entrer Canada en vertu la loi sur immigration et protection réfugiés et yo fait objet yon interdiction générale transaction d'après ça gouvernement canadien fait connaît. Dans communiqué ça, Canada a déclaré li gen raison pour le Mounsayo yo a augmenter violence dans le pays d'Haïti et instabilité et les livrer à exact corruption et l'autre exact criminel et permettre gang améyo mener activité illégale sous pour terroriser population et menacer la paix et sécurité en Haïti. Canada continue à soutenir effort qui visait répondre à crise politique là, sécuritaire et humanitaire pays à connait là en façon pour capable répondre à besoin urgent peuple haïtien d'après sa communiqué à lui-même de faire connait. Depuis 2022, Canada a déjà imposé sanctions à 28 personnalités haïtiennes qui sortent dans le monde affaire et secteur politique là. Là-dedans, yo gagnait qui clamait innocence, mais gagnait qui jetait tout et voyait jeter accusation Canada, glotte qui pas réagi. Secrétaire général parti politique Côte Patriotique condamné Zak Bandi, moun a subi là dans divers côtés, par exemple Kafoufeuille ak dans Canaran. Francisco Alcide dénoncé en même temps responsable gouvernement qui crée pays en otage et qui n'a complicité à gang Amiyo. En côté Francisco Alcide. Côte Patriotique condamné génocide terroriste au fait sur moun Canaran, moun Kafoufeuille qui obligé quitter Kayo pour y échapper en bas du fait à balle criminelle sans foi ni loi haïtien dans tout pays à bouki yo pas capable encore. Corps patriotique a dénoncé comportement cynique pouvoir de facto qui kembe pays à en otage qui la cause moun a passé toutes sortes calamités en bas gang kap taye banda dans tout pays ya la complicité ak régime PHTK 3e version. Kote la a mandé moun tabac moun peigné kwa de bouquet citoyen canarin solino cité soleil savien poissondé verrette calfoufeuille et latrier créer association victime pour porter plainte contre SPN qui est principal responsable tout crime ça yo dans pays. Quoi patriotique voyez jeter à toute force li toute forme intervention étranger dans pays. Peuple haïtien pas jamais oublié dégâts intervention militaire américain dans l'année 1915 1994 2004 à 2010 qui portait dans le pays à tant pour viol, vol, corruption, prostitution, choléra et mauvais mess, qui disparaît toute institution qui fait le pays à tomber dans un chaos généralisé en bas domination par groupe qui contrôle tout pouvoir l'État. Porte-parole coordination Delma qui fait partie fusion Chanson Jeune prêcher la paix dans mi-temps tout petit pays dirigeant politique la fait connaît problème pays à vivre là stabilité et sécurité mettez sous acte banditisme et ben gain grave conséquence sur population qui obligé à courir et quitter Kayo en côté Richardson Jeune. C'est un appel à la maintien de la paix dans journée internationale de la paix ça parce que Haïti dans une situation catastrophique dans ce qui concerne la paix. Nous tous connaissons, et depuis plusieurs années, et il y a plusieurs quartiers, plusieurs blocs avec zones, par exemple la paix qui règne là-dedans. Et la paix, c'est une condition sine qua non pour capable de développement qui durable dans toute communauté, dans tout pays sérieux.
Cause la paix ça qui pas gagné en cause dans plusieurs zones à bloc vient une migration qui forcée. Comme parti politique qui croit dans consensus, qui croit dans dialogue, comme parti politique qui croit que bataille massio c'est bataille li, nous dit non. Nous voulons la paix. Une fois pour toutes, nous dit tout acteur yo supposé mobiliser yo, mettre tout poids en balance là. Pour que nous capable retrouver la paix. La paix, c'est pas ça font parti politique. C'est pas ça faire l'État. C'est pas ça faire monde dans société civile, mais c'est ça faire nous tous. Même j'en fusion quel dans tête ensemble, nous capable arriver joindre solution à chercher. Nous quoi tout bon, Haïti pas péri, n'a changer. Pour ça qui gagne on pourrait avec volonté l'État pour résoudre crise là. Nous tous qui dans société là. Nous même qui dans la presse, nous constater, nous peut-être faire même constat ensemble avec tout le monde. Peut-être nous capable parler même, nous capable parler bagarre la même gens. Sauf que pour la paix capable d'établir, je ne te dis là, beaucoup de panneaux en fusion, nous croyons que tout acteur supposé impliqué, c'est pour ça que nous disons dans l'intervention, non, la paix, c'est affaire nous toutes, c'est affaire l'État, c'est affaire mon société civile, c'est affaire la presse, nous même dans la presse, nous avons une bataille, pas nous pour nous mener, nous sommes sûrs que nous commençons et nous devons continuer. C'est tout acteur qui peut mobiliser, pas un monde spécifiquement, parce que la paix, c'est un édifice commun que nous devons construire. C'est bon, on va vous donner des sports avec Jonathan Charles qui va dire nous qu'est-ce qui a gagné hier jeudi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive là ensemble avec Jonathan Charles, lui-même qui a présenté nous l'actualité. C'est la Coupe Ligue des Nations dans la zone CONCACAF. Bon côté, mesdames, yo. Nous allons parler de sélection haïtienne, lui-même qui était à l'affiche hier soir face à la sélection costaricaine dans le stade panaméricain. Difficilement, Haïti a imposé un goal à zéro. Un goal que Nerilia Mondésir a fait dans la 70e minute de jeu après une belle attaque qui était bien construite. Parce que là, c'est Roselor Borgela permettre ensemble avec sélection haïtienne, les mêmes qui imposent. Mais dans la composition, Frédéric Gonzalez et premier 11 li, dans le goal, il était joué ensemble avec Naomi Ambroise. Dans la défense centrale, il était Tabitha Joseph ensemble avec Mouril Modeline. Sur les côtés, il était joué latéral gauche qui était lui, latéral droite, Amandine Pierre-Louis, les mêmes qui était joué premier match. Li. Dans le terrain, il était joué Diana Pierre-Louis qui était joué comme milieu défensif, intérieur gauche, Roselor Borgela. Là, intérieur droite, Shirley Jeudi, et puis Trident, attaquant couloir gauche, c'était Roselyne Eloisin, attaquant couloir droite, c'était Batsheba lui, et puis Nerilia Mondésir comme seul avant-centre, Haïti lui-même qui imposé un goal à zéro. N'a pas parlé de Konya football, bon côté monsieur, ensemble avec classement FIFA. La FIFA lui-même hier qui te mettait classement de yo pour moi septembre là notre tête classement ça nous joignent l'Argentine toujours leader et la France deuxième, Brésil troisième, l'Angleterre quatrième. Seul changement qui gagne c'est Portugal qui montait huitième et le mettait l'Italie en neuvième position. Sélection haïtienne lui-même n'est pas bougé, il est 87e mondial avec la sélection gabonaise là lui-même qui dans deux sélections haïtiennes là 88e mondial. Si nous regardons classement yo par confédération, nous si nous regardons en CONMEBOL là l'Argentine bon, les premiers, deuxième c'est Brésil. En Europe, nous joignons la France mais c'est qui deuxième dans et tout classement général là, l'Angleterre lui-même les quatrième. Et dans zone CONCACAF là, les États-Unis toujours leader. Si nous regardons dans la zone Afrique, Maroc, lui-même qui est leader, le 13e mondial, nous voyons Maroc, lui-même qui a monté en puissance depuis après belle prestation, sélection marocaine a été faite dans la Coupe du Monde. Là. Maroc, lui-même, nous voyons qu'il a progressé dans le classement FIFA. Et nous jouons dans le Sénégal, lui-même qui est 20e mondial. Dans la zone Asien, Confédération Asiatique de Football, Japon. Lui-même, nous voyons qui 14e mondial. Japon qui a enregistré des belles résultats déjà dans la Coupe du Monde. Là, il était dans un groupe qui a gagné l'Allemagne, qui a gagné l'Espagne. Il a été sauvé pour eux, il a passé pour le deuxième tour. Et dans le match amical, il a été écrasé sélection allemande. 4 goals à 1. Japon, lui-même, nous voyons qui a monté en puissance. Et puis, en Confédération Océanique de Football, nous joignons c'est la Nouvelle-Zélande, même qui est 104e mondial. N'a quitté le dossier classement FIFA, nous parlons de la Ligue Europa. Premier junior lui-même qui était joué,
mais résultat qui était fait Union Saint-Gilloise fait 1-1 ensemble avec Toulouse. Liverpool qui a battu LASK 3-1 malgré LASK mené sous Liverpool, mais Liverpool a réagi ensemble avec Darwin Núñez, Luis Diaz et puis sans pas oublier Pharaon Mohamed Salah. Maccabi a fallu même pour une sévère correction puisque Stade Rennais passé le 3-0 dans match ça Frandi Pierro lui-même qui était joué. L'autre résultat qui fait Panathinaikos bat Villarreal 2-0, Slavia Prague Alguien qui passait en fait là 2-0, AS Roma bat Sheriff Tiraspol 2-1 dans match ça gagne Romelu Lukaku monsieur lui-même qui fait goal et monsieur sous 12 derniers matchs li joué dans Ligue Europa li déjà font affaire de 16 goals. Bayer Leverkusen crase équipe ak 4-0 n'a pas souligné gien Xabi Alonso monsieur cap entraîner équipe Bayer Leverkusen nan noue cap bien entamé en saison 1. Karabakh FK bat équipe Molde 1-0. Gagné en West Ham United qui bat Baka Topola 3-1. Olympiakos le pire la Kali tombé, c'est Fribourg qui bat 3-2. Ajax d'Amsterdam font match nul spectaculaire 3-3 ensemble avec Marseille. Dans match ça, il y a Pierre-Emerick Aubameyang, monsieur lui-même qui fait 2 goals. Pour équipe marseillaise là. Brighton et Hove Albion tombé la Kaili 2-3 devant AEK Athènes qui fait 10 de la Kaili. L'équipe Sparta Prague là qui bat Aris Limassol 3-2, Gen Rangers qui bat Real Betis 1-0, Atalanta Bergame bat Rakov 2-0, Gen Sporting Portugal qui bat équipe Storm Greece là 2-1. Gen match qui était joué tout dans Europa League Conference là. On regarde résultat yo, Lille gagne équipe Olympia 2-0, les Javorsovi créent sensation yo bat Aston Villa 3-2, gagne équipe Zrinjskiyan qui bat AZ Alkmaar 4-3, Racing Genk fait 2-2 ensemble avec Fiorentina, Ferencváros bat équipe Kurakchikian 3-1, l'Eintracht Frankfurt gagne Aberdeen 2-1, gagne PAOK Thessaloniki qui bat équipe Helsinki en 3-2, Ludogorets Razgrad crase Sparta Trivana 4-0, Fenerbahçe bat équipe Hull Challenge 3-1, Slovan Bratislava gagne équipe Kladjitlan 2-1, Maccabi Tel Aviv bat Breda Plick 3-2, Zoria Luwans qui fait 1-1 ensemble avec Racing Gent, Victoria Pilsen bat équipe Balkania 1-0, Dynamo Zagreb bat Astana 5-1, Club Brugge fait 1-1 ensemble avec Besiktas, équipe Luganois fait 0-0 ensemble avec équipe Bodo Clubnan. Voilà ces divers résultats qui étaient gagnés dans Europa League Conférence. Pendant un week-end ça même championnat même il y a bien pour jouer en nous bail comment programmation Liga Espagnola les même la pied et pour week-end ça la commencer jeudi hein. Les Athletic Bilbao a visité Deportivo à la Vez. Demain samedi à 8h du matin, Girona a joué face Mallorca. À 10h15, n'a joué FC Sevilla a visité Osasuna Pamplona. À 12h30, FC Barcelone a l'appui pour jouer face équipe Celta Vigoa. À 3h après-midi, Valence prend la caille Almeria. Puis le dimanche matin à 8h, Real Sociedad Nanoeta a recevoir Getafe. Puis à 10h15, n'a joué Villarreal qui prend la caille Rayo Vallecano. À 12h30, a bien 2 matchs, n'a joué Betis Séville. Lui-même cap qui pour jouer face à l'équipe Cadiz là et puis n'a joué Grenade lui-même cap la caille Las Palmas et puis choc journée ça c'est pour le grand derby madrilène s'il vous plaît Real Madrid pral souterrain Atlético Madrid dans Wanda Metropolitano s'il vous plaît c'est pour le choc 6e journée ça Real Madrid leader 5 victoires et 5 matchs équipe Atlético Madrid là qui passe une mauvaise semaine puisque déjà dans 5e journée là Valence était passé 3-0 et il était joué en Ligue des Champions face à l'équipe dans la jeu de coupe là dominé donc dans match là jusqu'à ce qu'il ensemble avec et Poufdel et goalkeeper et la jeu de coupe là la jeu de coupe là
nous avons pu même pour moi saluer même la passion de grand derby mal même avec des niveaux sur la pétition dans le public sportif là je n'ai pas de chance de présenter nous voilà merci tout le monde qui débranche ta téléphone news dans le prochain journal.